à maîtriser la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Amen. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who, for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. Amen. Amen. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Looking unto Jesus. Telle est la parole de ce soir. This is the word tonight. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Let's keep our eyes focused on Jesus. Avant de parler de ce texte, before I talk on this text, j'aimerais raconter une petite histoire. I want to recount to you a short story. Bref, c'est quelque chose qui s'est passé hier. Something that happened yesterday. Pendant que nous étions à Moussoquet, why we were at Moussoquet? Pendant que nous étions en train de mettre la tôle sur notre église, why we were roofing our church? Nous avons eu la visite d'un grand frère. We received a visit from an elder brother. Qui nous a encouragé. Who encouraged us. Amen. Amen. Il a été avec nous. He was with us. Il nous a soutenus pendant ce moment-là. He supported us during that time. Et d'ailleurs, il nous soutient constamment. And constantly, he's always supporting us. Et pendant que nous étions ensemble. And while we're together. Et nous avons eu le privilège de partager avec lui. We have the privilege to share with him. Moi en particulier. I particular. Et lorsqu'on partageait, il a dit quelque chose qui a beaucoup attiré mon attention. And while we're sharing, he said something that drew my attention. Il a dit que ça fait 2000 ans. He said it is 2000 years. Que l'on attend le maître. That we are waiting on the master. Mais à cette attente-ci. That this expectation of God. Nombreux sont parmi nous qui ont retrogradé. Many among us have backslidden. Nombreux sont parmi nous qui ont lâché. Many among us have given up. Et qui n'ont plus continué avec la course. And who have not continued the race. Nombreux parmi nous qui ont connu le Seigneur. Many among us knew the Lord. Et après un certain moment, ils ont arrêté de marcher avec le Seigneur. At a given time, they stopped walking with the Lord. Oh, le Christ n'est pas encore là. Meanwhile, Christ is not yet there. Et pendant qu'il était en train de nous parler, and while he was talking to us, c'était comme des blagues. He was talking as a joke. Mais lorsque je suis rentré hier soir, but when I got back home, mon cœur me parlait. My heart was talking to me. Amen. Amen. L'apôtre Paul pouvait dire, apostle Paul could say, j'ai combattu le bon combat. I have fought a good fight. J'ai achevé la course. And I have achieved the. Amen. I have finished the race. Et je me posais donc la question. And I could ask myself the question. Suis-je différent? Am I different? Des personnes qui ont commencé avec le Seigneur. From those who began with the Lord. Et avant la fin de la course ont abandonné. And gave up before the end of the year. Et je me posais cette question. That was the question I was asking myself. C'était hier. That was yesterday. Qu'un grand frère me disait. An elder brother was telling me that. Et c'était vrai. And that was true. C'est vrai. That's true. Nombreux sont ceux qui ont commencé avec le Seigneur. Many are those who began with the Lord. Aujourd'hui, ils sont rentrés dans les bars. But today they have gone back into the bars. Aujourd'hui, ils sont rentrés dans la mauvaise vie. Today they have gone back to the bad ways of life. Sans que le roi des rois ne vienne. Without the King of Kings coming. C'est pour cela ce soir. That is the reason why this evening. La parole de Dieu nous demande. The word of God is asking us. De garder nos yeux fixés sur Jésus. To look unto Jesus. Qui nous a ouvert le chemin de la foi. Who has opened to us the way to the cross. Amen. Amen. Je voudrais que tu remplaces la foi. Je voudrais que tu remplaces la foi. I want you to replace. Dans ce paragraphe-là. In that paragraph. Par la ferme assurance. With assurance. Des choses dont on espère. Des choses dont on espère. Okay, things we hope for. Et la démonstration de celles dont on ne voit pas. And the demonstration of those not seen. Et si on lit ça à partir d'ici. And if we read it from here. Ça dit ceci. This is what it says. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Looking unto Jesus. Qui nous a ouvert le chemin. Who has opened to us the way. De la ferme assurance des choses dont on espère. Of the firm assurance of things we
et de la démonstration de celles dont on ne croit pas. And the demonstrations of those we don't see. Ce n'est pas que le mariage. Ce n'est pas que le mariage. It's not marriage. Les choses dont on espère, ce n'est pas que le mariage. Things we hope for are not just marriage. Ce n'est pas que la richesse. It's not just riches. Mais il y a plus grand que ça. But there is more greater than that. Pendant que nous vivons. While we are alive. Pendant que nous gardons nos yeux fixés sur Jésus. While we keep our focus on Jesus. Nous espérons le salut éternel. We are hoping for eternal salvation. Amen. Amen. Ce soir. This evening. Je veux encourager quelqu'un. À garder ses yeux fixés sur Jésus. To keep his eyes focused on Jesus. Au-delà des challenges par lesquels tu es passé au cours de l'année 2019. Beyond all the challenges you went through in the year 2019. Au-delà de toutes tes attentes qui n'ont pas été comblées pendant cette année. Beyond all your expectations that were not met throughout the year. Ne dis pas ceci comme un frère. Don't say this like a brother. Comme c'est un frère. Saying, si le Seigneur ne me visite pas cette année, if the Lord doesn't visit me this year, alors j'abandonne. I'll give up. Non. No. La Bible demande de fixer ses yeux. The Bible says you should keep focusing. Si Jésus, on Jesus, qui nous a ouvert le chemin de la foi, who gave us the way to the cross, qui nous a ouvert le chemin des choses dont nous attendons de lui, who gave us the way to the things we expect from him, qui nous a ouvert le chemin des choses invisible. Et plus loin, la Bible dit. And furthermore, the Bible says. Parce qu'il avait en vue la joie qui était réservée. Because he saw in view of the glory reserved. Ça veut dire que si tu comprends bien ce texte. It means that if you really understand the text. Christ lui-même a manifesté la foi. Christ himself manifested faith. Parce que la Bible dit. Because the Bible says. Il avait en vue. He had it in view. Ça veut dire que it means that he a manifesté la foi. Manifested faith. La foi voit le futur. The faith sees the future. Amen. Amen. Pendant que nous voulons. Why? Pendant que nous voulons. Why we want to cheminer avec eux, la nouvelle vision. Walk with a new vision. Nous avons besoin de fixer nos regards vers le Seigneur. We need to keep our focus on the Lord Jesus. Au-delà de nos échecs. Beyond our failures. Au courant de l'année 2019. Throughout the year 2019. Au-delà de nos challenges. Beyond our challenges. La Bible ce soir. The Bible this night. Nous encourage. Encouraging us. À fixer nos regards. To focus. Sur Jésus. On Jesus. Amen. Apôtre Pierre. Apostle Peter. Pouvait fixer ses regards sur le Seigneur. Who look on the Lord. Et marcher sur l'eau. And walk upon the waters. Dès le moment. From the time. Où il baissa le regard. When he put down his regards. Et il a aperçu les agitations des eaux. And he saw how the water was tearing. Il s'est vu. Il a commencé à couler. He started sinking. Il a commencé à descendre. He started sinking. Ma prière ce soir, my prayer this evening, c'est que chacun d'entre nous, is that each and every one of us, pendant que nous voulons aborder cette année 2020, while we want to enter the year 2020, que chacun de nous garde le regard fixé sur Christ. Let each and every one keep focus on the Lord. C'est là où se trouve notre force. That is where our strength comes from. C'est là où se trouve notre espérance. That is where our hope is found. Pour mobiliser les disciples. To mobilize disciples. Responsible disciples. À mission dans le monde. In mission in the world. Toi et moi. You and I. Nous avons besoin de fixer nos regards sur Christ. We need to focus on Jesus. Ça ne dépend pas de tes capacités. It doesn't depend on your capacities. Ça ne dépend non plus de ta position. Neither on your position. Mais ça dépend de la manière dont tu fixes tes regards sur le Seigneur. It depends on the way you focus on the Lord. Jeune de vos regards. Youth of reform. Leaders du beau regard. Leaders of reform. Ce soir. This evening. La parole de Dieu. The word of God. Vous encourage. Encouraging us. À fixer nos regards sur lui. To focus on him. La vérité. The truth.
C'est que notre avenir à Christ. Is that our future in Christ? En débat. Depends on it. C'est pour cela ce grand frère pouvait dire hier soir. That's why this elder brother would tell me yesterday evening. Nombreux sont ceux qui ont commencé la course. Many are those who began the race. Et qui aujourd'hui sont rejoués. And today they have abandoned. Notre prière dans le Bourika. Our prayer is grateful. C'est que ça ne soit pas ta portion au nom puissant de Dieu. This shouldn't be your portion in Jesus' name. Nous voulons achever la course. We want to finish the race. Dans le Bourika, nous voulons achever la course. In Bourika, we want to finish the race. Et pour cela, and that's the reason ce soir, Christ nous encourage à fixer nos regards sur lui. This evening, Christ encouraging us to focus on him. Tu as besoin de fixer tes regards sur lui. J'ai besoin de fixer mes regards sur lui. I need to focus on him. Nous avons besoin de fixer nos regards sur lui. We all need to focus on him. Afin que cette année 2020 soit meilleure pour nous. Should be the best year for us. Amen. Pour mobiliser les jeunes en 2020, to mobilize the youth, tu as besoin de fixer tes regards sur lui. You need to focus on him. C'est un très beau challenge. That's a very big challenge. Mobiliser les jeunes ici. Mobilizing disciple youth. Parmi les jeunes, il n'y a pas il y a certains jeunes qui ne sont pas ici. Among the youth, there are some who are not disciples. C'est pour cela que c'est un père. That is why this team is so big. Mobiliser les jeunes d'ici. Mobilizing disciple youth. Responsable en mission dans le monde. A mission in the world. Tu as besoin de mobiliser des jeunes disciples responsables. You need to mobilize disciple youth who are responsible. Le terme responsabilité est lourd. The team responsibility is a heavy task. Amen. Amen. À un temps comme celui-ci. In a time like this. Toi et moi. You and I. Nous avons besoin de fixer nos regards vers le Seigneur. We need to focus on the Lord. Amen. Amen. Je vais te prier de te mettre sur tes pieds. I'll play with you on your feet. Pendant que tous les leaders, while all the leaders, les différentes assemblées locales, of the different local assemblies, montent,